hommes sont tous les mêmes. Ah, doucement, ma fille, doucement. Il ne faut pas nous mettre tous dans le même sac. Non, vous, c'est pas pareil, l'abbé. Vous, vous n'êtes pas un homme. Quoi? Comment ça, moi, je ne suis pas un homme? Je suis désolée. Ce que je voulais dire, vous n'êtes pas ce genre d'homme. Ah, parce qu'avec toi, Laetitia, on ne sait jamais ce qui est compliment et ce qui est insulte. Non, parce que les ladis là, ce sont des croqueurs de femmes. Comme s'il n'avait pas assez de deux épouses. Comment il va en gérer trois, hein? Non, et le pire, il veut collectionner les conquêtes et il a le culot de dire que oui, c'est pour être un bon musulman, pour gagner le paradis, quoi. Quand même. Mais tu sais, hein, que certains font dire à Dieu ce qui les arrange, hein. C'est comme s'il collectionnait des capsules de bière pour gagner un jeu concours. Ah, là, tu t'égares, hein, ma fille, tu t'égares. Tu vas quand même pas comparer la quête du ciel à un vulgaire jeu concours. Ah, ça, ça vous choque. Mais quand je compare les épouses à des capsules de bière, là, ça ne vous embête pas. Bon, laissons la religion où elle se trouve, Laetitia. Hein? Mais ce qui est sûr, si Lagi veut épouser une adolescente, ce n'est pas Allah qui le lui a demandé. Hein? Tu as exagéré, Camille. Vraiment. Moi qui croyais vous faire plaisir en vous annonçant mon mariage. Mais Lagi, tu es déjà marié avec moi, non? Je sais. Et je ne vais pas divorcer avec toi. Mais tu sais aussi très bien qu'en bon musulman, je dois avoir plusieurs femmes. Lagi, tu as déjà plusieurs femmes. Tenez et moi, ça fait deux femmes. Tu ne sais plus compter? Je sais compter. Et je sais aussi qu'il n'y a jamais 203. Lagi, tu parles de ton foyer ou tu joues au tiercé? Mais qu'est-ce qu'on va faire d'une nouvelle coépouse? Hein? Laisse tomber, tenez. Il ne nous demande pas notre avis. Il nous demande plutôt de l'applaudir. Tenez, si tu avais accepté une nouvelle coépouse, elle aurait pilé à ta place. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans ton mortier. Continue d'approcher ta tête. Tu vas voir si je ne vais pas piler quelque chose. Si c'est sa tête que tu piles là, c'est comme si tu pilais rien de... Quelle ingratitude. Moi qui vous amène des bras valides. Ce soir, si tu as besoin d'un massage, tu demanderas à notre tendre et chère épouse de le faire pour nous. Et pendant que tu y es, demande-lui de terminer pour moi ma cuisine. Non, monsieur l'abbé, vraiment, vous ne pouvez pas laisser faire ça. Mais que veux-tu que je fasse? Lagi n'est pas mon paroissien. Ah, mais je vous rappelle que je suis une catholique. Vous comptez abandonner une brebis égarée? Si je parle, Lagi va dire que je critique encore sa religion. Ah, c'est pas moi qui ai écrit le Coran. Hein? Ah, c'est pas vous non plus qui avez écrit la Bible. Pourtant, c'est écrit « Aimez-vous les uns les autres ». Et vous, vous abandonnez Marie, c'est ça? Aimez-vous les uns les autres. Lagi est capable de trouver dans ça une invitation aux amours multiples. Très bien. Une fois de plus, ce sont les femmes qui vont devoir mettre du sable dans le couscous des hommes. Ok. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'abbé. Regarde-moi les choses comme ça. Toi, tu es là, tu n'as pas une seule épouse et on veut que tu résolves des problèmes de trois femmes. Ah. Ces vieilles mégères préféreraient que je prenne un deuxième bureau plutôt que de marier une troisième femme. Tant pis. Elles ne participeront pas au choix de l'heureux élu. À moi les gazelles de Kiki Denis. Le lion de la savane s'est réveillé. Yeah! Ça devrait arriver un jour. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Non. Je ne veux pas de troisième femme dans notre cour. Ah non. Marie, tu es jeune. Tu n'as pas connu cette expérience.
C'est pour ça que tu es bouillante comme ça. Hein? Mais dis-moi, Téné. Oui. Quand je suis arrivée là-haut, ça t'a fait mal comment ça? Eh, ma chérie, n'en parlons plus. Aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de toi. Marie, mais reconnais quand même que trois femmes, c'est beaucoup d'aide. D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu n'as pas vu que l'aigle est déjà parti à la chasse? Espérons que le gibier soit tendre. Tendre avec nous. Mais peut-être qu'on a encore une chance. Apparemment, notre mari n'a pas encore choisi le lieu de son cœur. Je ne vois pas ce que ça change. Le gibier, on va le braconner nous-mêmes. Il veut une jeune gazelle, non? Très bien. On va lui fournir des hyènes et des femelles de facochère. Sinon, on est foutu. Bonsoir. Hey, petit, attends-moi là. Tonton, mais moi je vais aller à l'école. École, école, laisse tomber ça. Moi j'ai d'abord besoin de toi ici. Tu sais, j'ai envie de te faire réviser l'écriture. Ta maîtresse sera très contente de toi. Tonton, vous ne savez pas écrire. Vous allez faire comment? Laisse tomber, viens avec moi, on va découvrir les rues de Kikideni. Tu sais, tu vas prendre un cahier, et puis sur la première page, tu me fais 5 colonnes. Sur la première colonne, tu mets veuve. La deuxième colonne, tu mets célibataire majeur. Et puis la troisième colonne, là, tu écris mineur. La quatrième colonne, ça, c'est divers. Et la dernière colonne, là, c'est notation de 0 à 10. Divers, là même, c'est quoi? Divers, c'est tout. Il y a les grabataires, les répudiés, les religieuses, tout quoi. Il n'y a pas de religieuse à Kikideni? Attends, jeune homme. Moi, je fais un travail scientifique. Et je dois tout prévoir. Bon, mais les religieux sont des célibataires majeurs, non? Toi, là, tu connais quoi au problème des femmes? Hein? Allons-y, ouais. Et puis, il y a un autre travail à faire. Tu sais, devant chaque nom, tu vas écrire soit M pour musulmane ou bien C pour chrétienne. Ah, il faut donc prévoir B. Pourquoi B? B? B pour les bouddhistes. C'est une religion qu'on a vue à l'école. Mais il n'y a pas de bouddhistes ici à Kikideni. Je fais un travail scientifique. Je dois tout envisager par principe. Toi alors. Je sais qu'on va s'entendre. Bon, le premier nom, Aïna. Célibataire majeur. Musulmane. Sa note, c'est 4 sur 10. Hé, hey, tonton, vous avez oublié la première maison, là. Odile, mineure chrétienne. Ça va pas, non? C'est ma nièce. Bon, on passe à la suivante. Mariam, veuve, musulmane, 1 sur 20. C'est ma mère. Ah bon? Pardon, on continue. Écris. Okay. Aujourd'hui, nous allons parler des droits et devoirs de la femme. Prenez vos cahiers. Donc, vous devez savoir qu'une femme a les mêmes droits et devoirs qu'un homme. Ce qui veut dire qu'un homme égale une femme. Moi. Oui. Madame, ici, c'est pas un homme égale une femme. Je sais qu'à Kikideni, les pesanteurs sociales ont la vie dure, mais... Ici, c'est dans la classe. Ah bon? Un homme égale combien de femmes dans la classe? Une fille égale 2 garçons. Vraiment? Comptez. Va t'asseoir. Bon, madame, un homme est égal à 3 femmes. Pourquoi? Lagi, il va avoir 3 femmes pour lui seul. Assois-toi et arrête de raconter des bêtises.
vraiment cette histoire de troisième femme de Ladjila? C'est sérieux, hein? Si mon pouvoir de séduction reste intact, je n'ai pas changé. Je suis toujours à la guide qui Kikideni, derrière lequel accourent les filles de Kikideni. Elles tombent à mon pied comme des fruits mûrs. Il faudrait te méfier. Ladji est en appétit en ce moment. En appétit? Mm-hmm. Et alors? Moi, je vends de la boisson, pas de la nourriture. Mais tu possèdes une sorte de nourriture qui pourrait l'intéresser. Mais pour ce genre de nourriture là-haut, là, il y a deux femmes, non? Et tu es très bien placée pour le savoir. Justement, il en veut trois. Trois? Trois. Trois. OK. Voilà, il n'a qu'à essayer de s'approcher. Je vais le gifler une fois et sa tête va tourner trois fois. Laisse tomber. Ah, on va lui donner une petite leçon. Je vais te maquiller comme il faut. Hey, laisse. Hey. Ladji, ça tombe bien. Tu venais me voir? Pas du tout. Qu'est-ce que je viens faire dans la maison de Jésus? Mais je pensais que tu venais me parler de ton projet de prendre une troisième épouse. Pourquoi je vais t'en parler? Tu connais quoi au problème de femme, toi? Ce que je connais au problème de femme, c'est qu'elles ont dans la tête. Attends, je te rappelle que je suis quand même le confesseur de Marie. Et les femmes de Kikideni, elles ont quoi dans la tête? Elles pensent que quelqu'un qui a déjà deux pagnes à la maison ne devrait plus courir après des jupons. C'est pas ma faute si je plais aux femmes. Non, franchement, Ladji, tu n'es plus assez jeune pour faire la cour aux demoiselles. Justement, parce que je ne suis plus jeune, il me faut rapidement une troisième épouse. Tu as une à me proposer? Ben oui. Je te propose Maïmouna qui est à l'entrée du village là. Ça va pas, non? Celle-là, elle a quatre fois mon âge. Mais au moins tu ferais une œuvre sociale. Non mais parlons sérieusement, Ladji. Ton projet de prendre une troisième épouse là, c'est pas du tout sérieux. Garde tes conseils de célibataire pour toi. Et ciao. La, 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 la. Fati, viens, je vais te voir. Ah, j'aime bien les dolotières. On n'a pas besoin de leur acheter à boire. Psst. 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 Ça va? En tout cas, tu as tout ce qu'il faut, hein? Pourquoi tu me suis? Hein? Je te plais, là. N'est-ce pas? Tu crois que je n'ai pas remarqué ton manège? Ah là 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 là, ton silence vaut bien un aveu. Non. Quelle vilaine dentition. Ah, je n'ai jamais rien vu d'aussi laid. C'est pas étonnant. Une douloutière avec un allergie, ça ne pouvait jamais marcher. Ah.
Ah, une jeune gazelle. Je parie qu'elle porte toujours ses dents de lait. Attention. Oh, le Fatih. Tu as grandi, hein? Hein? Tu n'es plus l'enfant que j'ai connu. Ça, c'est vrai, Lagi. On a bien eu. Oui, c'est Téné qui sera contente. Quitte le corps de cette fille-là. Ah, je veux me marier, mais quand même, j'ai du mérite, moi. Lagi! C'est moi que vous appelez? Tu me connais? Je suis fan de toi depuis... Oh, ça m'excite, ça. On peut dire que tu sais ce que tu veux, toi. Il faut que je te parle de mon prochain mariage. Mariage? Toi aussi, tu sais ce que tu veux. C'est vrai. C'est qui celui-là? Personne. Hein? Pardon, personne. C'est lui qui a commencé. Tu sais, pas vrai, je n'ai rien fait. Si tu veux me marier. Moi? Tu veux pas te marier? Si. Mais non. Elle te plaît pas? Elle me plaît beaucoup. N'existe pas. Allons. Passe ici, suis-moi. Lagi, tout va bien? Je crois qu'il a compris la leçon. Lagi a failli avaler sa langue. Hein? Quand le gros bras l'a apparu, il dit, c'est qui celui-là? Lagi a failli. Moi, il m'a appelé Gazelle. Gazelle. Décidément. Tu as grandi. C'est Lagi. Vraiment. C'est bien fait pour ce père. Quelqu'un qui ne m'achète jamais du dolo, ça lui apprendra. En tout cas, moi, j'ai récupéré mon homme. Notre homme. Tenez, tu as raison. En fait, on possède chacune une moitié de Lagi, n'est-ce pas? S'il avait fallu le partager entre trois femmes, moi j'aurais peut-être eu son crâne vide et toi son gros ventre. Et comme d'habitude, la dernière à venir, on l'a hérité du bas. Vous êtes moqué de moi, hein? Lagi, faut pas fâcher, nous s'amuser. Tu es même allé chez le dentiste. Marie et Téné, qu'est-ce que vous faites ici? Lagi, on a fini de travailler. Vous n'avez rien fini du tout. Lagi, on a oublié de faire quelque chose. Oui. Et? Vous avez oublié d'aménager la case de fond, là. Case de fond? Qu'est-ce que vous croyez? Ma troisième épouse ne va pas tarder à venir. Okay. Tenez. Lagi. Bonjour Marie. Bonjour Téné. Tu as bien dormi? Ça va. Je vais faire le ménage dans la chambre de Lagi. D'accord. Moi, je finis ça tout de suite.
Hey. Salut ma jolie. Bonjour Laetitia. Bien dormi. Ça va et toi? Bah. Hey, votre tensionnaire de mari n'est pas là. Déjà parti à la chasse. Encore du braconnage. Oui, mais un braconnage très particulier. Sur du gibier humain. Il ne démord pas de son idée de troisième femme là. Hein. Alors là, pas du tout. Je crois qu'il considère les femmes comme du cheptel. Quelque chose entre chasse et élevage, quoi. Là, il va nous tuer. Les propriétaires de bétail sont comme ça. Plus ton cheptel a de tête, plus tu es respecté. Et qui sait jusqu'à combien il va augmenter le troupeau. Autant se préparer tout de suite à la quatrième femme. Et Marie. Et vous, vous le vivez comme ça, comme des brebis dociles. Bébé. Aïe, on va faire quoi? Toi, tu sais lire. Regarde ce que j'ai trouvé. Ça, c'est quoi ça? C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je ne le crois pas. Quoi? Ladji a recensé toutes les femmes célibataires de Kikideni. Quoi? Non. Et en plus, il les note. Quel macho! C'est pas vrai. Camarade, vous ne pouvez pas capituler si vite. Tu as mieux à nous proposer. Justement, nous allons proposer quelque chose à Ladji. Non, plutôt quelqu'un. Non, quelqu'une, je veux dire. Comment ça? Nous allons choisir nous-mêmes la troisième épouse de Ladji. Yeah. Et où se trouve cette perle rare? Là. Là? Oui. Célibataire majeur. Mention catholique avec une note exceptionnle de 9 sur 10. Et c'est qui? Laetitia, l'institutrice. Ouais. Je me présente. Laetitia, troisième épouse de Ladji. Voilà. Bienvenue dans le cheptel. Laetitia. Yes. Ouais. Goma Gilindi. Hein? Thank you.